Bonjour à tous, je suis très heureuse de me trouver aux côtés d'Hélène Fresnel qui a publié son premier recueil de poésie « Une terre où trembler » aux éditions de Corlevour. Elle avait déjà fait paraître plusieurs poèmes dans des revues telles « Nunc » ou « Transcrit ». Elle avait collaboré avec des artistes, notamment des photographes, autour de thèmes tels « La nature morte » ou « La forêt ». Elle avait en outre écrit un petit ouvrage consacré à la poétesse André Chédide, visant à vulgariser la poésie de cette poétesse aux enfants. Alors, plusieurs passions nous réunissent, Hélène et moi. La poésie, bien sûr, la littérature plus généralement, mais aussi les pays de l'Europe centrale et la Russie. C'est d'ailleurs autour de ce thème que nos écrits se sont rejoints, puisque la Russie occupe une place significative dans le recueil d'Hélène Fresnel. Et moi-même, je contribue à la revue Quinzaine par des articles critiques sur des œuvres d'Europe centrale et de Russie. Alors, on va se passer le micro. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Hop. Merci Eva pour cette présentation. Merci à vous qui êtes réunis pour ce moment de lecture, de littérature, de poésie. On va partager, on va voyager et j'espère que vous passerez un beau moment. Donc merci. Merci à Chris, à la librairie des Tropiques, justement, qui m'accueille, et à vous tous, donc, d'être là. Et au restaurant qui prête sa salle, les Frangines. Merci pour ce moment-là. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Peut-être quelques mots sur les objets. Alors oui, vous allez voir que lors de cette lecture, il y aura différents objets qui sont posés sur la table et qui serviront à une petite mise en scène. On va également inclure des moments de musique, du son. La lecture durera environ une demi-heure à peu près. Et voilà, tout ce qu'on peut en dire pour le moment. Alors, nous souhaiterions en savoir davantage sur ton parcours, Hélène, ce qui t'a conduite à la poésie. Comment en es-tu venue à privilégier ce langage particulier qu'est la poésie ? Oui, alors la poésie pour moi ça a été d'abord un moyen de communication, que je rêvais absolu, total. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des poèmes comme on écrit des lettres pour m'adresser à des proches, pour m'adresser à différentes personnes. Et il me semblait, oula, dans la poésie, qu'avec... avec la musique qui est propre au poème et avec les images qui sont propres au poème, je me disais qu'il y avait un moyen de communication plus total, plus absolu, qui englobe la musique de nos émotions, la musique intérieure, beaucoup plus que dans le langage courant. Donc c'est ça qui m'a mené à la poésie, un rêve de communication totale qui passe par l'image, la musique, et pour parler au plus proche des choses essentielles. Et... c'est aussi le désir de livrer des secrets. On a l'écrivain Salas Tétier qui est décédé cette année, qui nous a laissé une œuvre considérable et qui disait « Un écrivain qui n'est pas accompli, c'est un écrivain qui n'extériorise pas ses secrets. » Eh bien, pour moi, la poésie, c'est une manière d'extérioriser mes secrets aussi. Voilà. Merci Hélène. On saisit bien que pour toi, la poésie constitue un idéal de transmission et d'échange. Alors, tu as déjà écrit des poèmes auparavant, je l'ai dit précédemment, mais que représente pour toi la publication de ce premier recueil ? Alors, ce premier recueil, c'est une aventure de 5 ans. Il a été écrit entre 2013 et 2015.
Et il représente, puisque c'est le premier, déjà de façon très personnelle, le fait de pouvoir, comment dirais-je, avoir une correspondance entre ce que je suis au plus intime, poète depuis des années, et puis ce que je peux être socialement grâce au livre, à l'objet livre, et le fait que je puisse me dire du coup aussi poète. Donc il y a cette correspondance entre une identité intime et une identité sociale. Et puis le fait que ce soit un objet, le livre du coup maintenant, ça permet une transmission, un partage. Donc ce premier livre, c'est l'occasion d'un partage, donc avec vous qui êtes là bien sûr. Et voilà ce que ça représente. Dans ma vie, je me suis toujours tournée vers la poésie, toujours tournée vers les poètes quand j'ai voulu être accompagnée. Alors mon livre, j'espère, ça peut être l'occasion pour d'autres de se tourner vers ce que j'ai écrit pour être accompagnée à différents moments de leur vie. Voilà ce que ça représente pour moi ce livre. Donc la poésie comme jalon dans la construction de ton identité. Alors, par ailleurs, on remarque à la lecture de ce recueil que certains poèmes sont construits, fonctionnent par ensemble, par groupe, tandis que d'autres semblent prendre sens de façon isolée. Quels sont les principes qui guident la composition de ton recueil, Hélène ? Alors... J'écris des poèmes de manière très différente. Par moments, c'est sur le coup, dans une journée, et ils ressemblent à des lettres, et ils font sens tout seuls. Et à d'autres moments, j'ai besoin de me mettre en arrière de moi-même et de construire d'abord une architecture qui puisse accueillir mes émotions. Et ça me demande beaucoup plus de temps et ça me procure beaucoup plus de satisfaction. Ça dépend de mon état intérieur. Imaginons par exemple un état de solitude, je peux me surprendre à composer des poèmes qui fonctionnent du coup par duo pour compenser cette solitude. Et donc dans ce cas-là, l'architecture et la structure du texte prédominent et les textes fonctionnent alors par duo ou par ensemble. Voilà. Merci pour cette petite plongée dans le processus créatif. Maintenant, place à la poésie, puisque Hélène va procéder à une lecture en trois temps. Chaque moment sera précédé d'un court commentaire de ma part, issu de mon texte de critique. Alors, on y va, place à la poésie, et merci Eva pour ta première petite présentation de ce que je vais lire. Ce recueil se présente comme un cycle en trois temps de poèmes resserrés, taillés à vive arête dans l'informe de la douleur, née de l'absence, puis de la perte de l'être aimé. Au fil de trois sections datées, un jeu labile et multiforme qui tantôt se glisse dans un nous, tantôt se métamorphose en tendon de la pluie, par exemple, s'adresse à celui qui est parti, figure dont on ne sait rien, si ce n'est que quelques missions le retiennent à l'est. Au gré de cinq années, ce jeu se livre à une entreprise, toujours sur le fil, qui consiste à chercher une stabilité, aussi fragile soit-elle, au-delà des fractures, pour reprendre des termes d'Hélène. Mais si cette recherche s'avère souvent très heurtée, le jeu ne se départit jamais de sa certitude d'un rassemblement possible. Car Hélène Fresnel s'attache à penser le rassemblement en dépit de l'absence. Mais je suis allée jusqu'au matin. Il est seul. Il extasie. Jusqu'à la nuit, Pierre. Elle est encore. Elle dure. Jusqu'à la matière. Du lit noir au lit bleu, j'ai lu jusqu'au chemin de tes mots ou de tes lèvres. Je ne sais plus déjà. J'ai lu dans ton existence mes failles, mes légitimes, des cryptes de contact au lieu des aplats blancs. Ce soir, je regarde la pluie, les yeux dans l'évident. Il y a des signes purs, exempts de dénouement. Thank you.
Alors, c'est un texte qui s'appelle « Avant que la lumière n'ordonne ses violences » et ça se passe dans un studio. Il y a un enfant et cet enfant n'a pourtant pas eu l'opportunité de naître, il traîne dans le salon. Les mots se chargent d'une signification lourde et obsessionnelle. La fenêtre et la lampe de l'appartement, le canapé-lit de place écoutent différemment. L'éternité, celle que le petit aurait dessinée comme une nuit infinie, cette éternité des grandes histoires d'amour se donne une durée, plus que 12 heures, et on frappe dans notre appartement. Quelque chose tombe du plafond, les carreaux jusque-là innocents semblent secoués. Entre leurs dents, un je ne sais quoi d'autre lueur, un je ne sais quoi de peur. Arrière. Première heure. Dans le grand noir, pays, frontières, couleurs, lumière, fraction, fracture. Lumière, cadran, coureur, horreur, taillé, rupture. Ça se déplace avec une arrogance de tsar. Plus de rondeur, ça simplement des cauchemars de lumière, des cauchemars d'heures tombent. Deuxième heure. Souffle de l'univers, souffle à deux, souffle lieu, cheminée sphère, promesse. Au regard de mes lèvres, le vent ignore encore les ombres. Noir heureux, nul ne sait. Noir de Dieu, nul ne voit. Noir de vie, nul ne pleure. Noir d'amour, nulle plainte. Rien que l'extravagance jaune de cette rumeur, tu reprendrais ta place dans le souffle du simple. Quatrième heure. Lumière avance et fait monter le crâne du clivage. Le chemin soudain ocre, le chemin soudain seul. Tu pourrais tout changer, au moins feindre, ô possible, tes combats suspendus, ton cheval, ton retour. Cinquième heure. Tu n'es pas revenu. Tu n'es pas revenu et ce soir, le lieu du rendez-vous brûle sous le vent noir. Royaume, cible du ciel où s'engage une flamme. Royaume, énoncé de la nuit vécue et illusoire. Je te parle d'à travers la fort. Je te parle d'à travers la fort. L'ombre de ton visage maintient le territoire. Je me tourne vers lui, royaume, et lui redis, je t'engage. Étends les terres mongoles et retiens notre histoire. Avant une nouvelle heure, avant un nouveau leurre, il faut jouer la victoire. Mon amour, je te parle à travers l'amphore et le sable du temps qui mange ton image. Pas de réponse. Sisyphe, sœur, sous le mica des larmes, tournons la clé des yeux. Septième heure. Nuit. Nuit roulée sous ma main. Nuit roulée sous ma main, il faut gagner la terre. Nuit pétrie par le rêve. Ou la foi, la matière, il nous faut avancer, innocenter le paradis des dalles de la nuit. Allons, la pierre est lourde, mais il faut rouler vite, la pousser vers ce trou d'où gicle la lumière, étouffer l'aube, écraser le sifflement d'or, l'autre magie. Nous revenons, viendrons, amoureux de la gloire. Dans l'arrière-pensée, je crée des ongles noirs qui ne renoncent pas à bâtir.
à bâtir. Huit, neuf, dix, peut-être 11 immenses étoiles. Et soudain, tic-tac ovale, entre tes mots et tes non-gestes, le soleil perce total. Il se découvre des frontières, mille occasions de reportage, la nuit se plie et déménage, loin des lucides outrances. Mais derrière, dans la révélation, j'observe les yeux béants, les lumières grandies tombées de partout, folles. Si tu savais, toi le complice, comme je glisse, comme je résiste devant le soleil ébloui. Il est midi sur toute la terre. Il est midi sur toute la terre. L'univers s'ouvre en jaune et or. Défions ce soleil sans pareil, l'univers s'ouvrira quand même. Mes rêves ont décoché leur lune du carcan flou des nuits poudrées, mais Dieu, quelle splendeur incendiaire. Ma foi en nous, mon bel amour, cogne le ciel jusqu'au vivant. Faut-il y croire jusqu'à la mort, il est midi sur toute la terre. Les déserts fécondent des pierres, des couples d'ambre et de corps, une lumière d'un autre bord. Se pourrait-il qu'elle soit heureuse, qu'il soit midi sur toutes mes guerres, que demain boive à ceux qui lui. Cela irait jusqu'à me plaire. Cela irait jusqu'à me plaire si quelque part, où que rêve la nuit, où que tremble ta terre, tu irradies. C'était la première partie de la lecture avec un intermède musical qu'on imagine. À quoi bon se fâcher si le soleil se vide? Il en coule une aurore à accueillir, quand même. Elle s'étire et se dort à la place du mort. Faut l'espace de l'essor. L'aurore, la dernière. À éblouir quand même, les yeux droits dans la vie. À quoi bon se fâcher si le soleil se vide? Donc il est un moment où dans ce trajet existentiel brisé, le « je » part vers l'Est, patrie de cœur de l'absent, et se métamorphose étonnamment en archéologue mystique. Il part alors moins à la recherche des pas de l'aimé que du premier pas, du premier lieu, de la première langue. La quête des traces du grand disparu, lequel se mêle à tous les disparus des temps anciens, se transforme ainsi en une sorte d'enquête spirituelle sur une langue première, susceptible de rétablir un lien avec lui. Je commence par un premier texte isolé et puis un ensemble qui s'appelle donc « En avançant vers l'Est ». Sous le grand tapis blanc des éléments perdus,
Non, ce n'était pas juste les dimanches, tous les jours inconnus. Sous le tremblement du feu déchu, que retrouver ? La terre nage, les eaux ont fait naufrage. Quelqu'un s'en est-il souvenu ? On a beau agrafer des paysages, tenter la traversée des pages de branche en branche comme un voilier. Les questions continuent. Comment ont-ils pu avaler en silence nos corps, nos crus ? Au dire de la pluie sauvage, ils ont commencé par nos noms, pas de ressort sous ce tapis, pas de salut. Et maintenant, une traversée vers les terres de l'Est que Eva a annoncé. Un extrait d'un ensemble sur les traces de ce qui reste. En avançant vers l'Est. En avançant vers l'Est, il semble bien que la mémoire commence à s'exercer dans le ciel. Nos disparus avaient une langue. Au grand début, là-bas, là-bas. J'ai creusé sous mes papilles même pour en sucer le jus perdu. Peu d'informations dans la plaine qui parle russe comme avant, pourtant on s'abreuve quand même et toutes nos prières se pendent à l'orifice des grammaires où brûle quelque chose de plus. Où donc avait-on mis les yeux des disparus ? Là-bas, là-bas. Le détective des visages ne trouva qu'un cercle d'été. Peu d'informations sur les sphères qui jonglent sous nos univers, mais nous saisonnons par le noir entre leurs ballons d'avenir et l'on s'habille de leurs rondes en les prenant pour des diadèmes. Au fond, où, au début des lieux, on partit voir le roi d'Ukraine, peint sur l'église de la peine, avec un manteau et des yeux. Il en a peu dit sur le sable, où s'effaça son regard blanc, mais aujourd'hui, on prend le large, à bord de ses contours perdus, et son empire au moins soulage, dans son maintien soudain sans bornes. Nos disparus avaient une voix, au grand début, là-bas, pourvu qu'il restât ce qu'il reste. Les détectives du langage n'ont trouvé qu'une croix sous les branches. Interdit de lire les notes, cachées dans les torses d'oiseaux, mais on lutte chaque seconde pour saluer le vent allié qui les a laissés s'accentuer. Rivée à la justesse, Hélène Fresnel prend l'image au sérieux. D'une grande vigilance quant à la capacité de celle-ci à étreindre la vérité du sentiment, Hélène se distingue en cela de sa figure tutélaire, Vénus Curigata, qui recherche toujours l'image la plus déconcertante sans que celle-ci soit forcément arrimée à la vérité. L'éclat de la poésie d'Hélène réside avant tout dans le surgissement d'images hardies, de pulsions d'étoiles, qui font éclater les corsets de l'imagination, tout en jaillissant d'une source pure, la sensibilité délicate et à fleur de peau de l'auteur. Alors je vais terminer cette lecture par un texte de résistance. En ces temps extrêmement... où on est particulièrement tous vulnérables, un texte de résistance. Il fait parler l'ardeur. Il fait parler le métal, il fait parler différentes notions. Il fait parler l'appel et il fait parler l'amour. Et je l'ai choisi pour terminer en rythme. Et on pourra intégrer la musique après. et le tambour aussi, du coup. Mais sans l'accompagnement de musical, je vais être un tout petit peu hors... j'aurais du mal à rythmer le silence, même si c'est ce qui m'intéresse dans la vie. Partout l'appel du siècle pur. Là-bas, des flèches et des flèches. Partout, l'appel du siècle pur.
Puis un jour, on surprend l'ardeur. Puis un jour, on surprend l'ardeur. Puis un jour, on surprend l'ardeur, l'ardeur. Alors résistons avec l'ardeur, le métal, l'appel et l'amour. Ce sont mes quatre derniers textes. Puis un jour, on surprend l'ardeur, mesure où diluer la nuit rouge. Animal de nos lois, nos transes, elle répand jusque dans nos peurs le tempo têtu, l'espérance. Toujours au plus près de l'immense, dans un préau de météores, malgré l'expansion du silence contre le segment de la mort, elle chante encore, je résiste quand je m'élance. Le métal répond. Hors de la flamme ou dans le cœur, dans ce qui tient ou ce qui bouge, en deçà des intermittences, j'ai vu le métal antérieur. J'ai rencontré ma résistance. Éclat d'argent avant la lance. Dieu titane d'avant l'usure. Poudre étoilée de nos substances. Il donne au présent son murmure et pense encore. Je suis ce qui protège et dure. Que dit la nuit seule et solide ? Un téléphone imaginaire arrive au-dessus de la France. Je branche ces étoiles vides et redescends leur fil de fer. En bas, mes rues sentent l'absence. Mes troupes internes s'oxydent. Prenez garde, espace valide. Un appel défie vos démences et chante encore. Je résiste quand je m'élance. Et enfin, l'amour. Malgré le casque des suicides, larmes tombées sous les artères, des globules piègent les blessures. J'entends leur conquête liquide et je vois leurs petites sphères courtiser tout ce qui carbure. Ce sont des milliers d'Atlantides qui vont encore au monde, avides, à croire que vivre est amour, où chantent nos corps, pourvu que je résiste et dure.